Metteli con le supplice un abbandono. Il va s'en rendre, il va s'en rendre, il va s'en rendre. Metteli con le supplice un abbandono. Il va s'en rendre, il va s'en rendre. Metteli con le supplice un abbandono. Il va s'en rendre, il va s'en rendre. Il s'en rendre. Amen. Amen. Asali zabe asolo. Il est le Dieu véritable. Et asali bomo ya seko. Il est la vie éternelle. Mon côté akokani na ye. Il est comparable à lui. C'est lui qui nous donne la vie. Il est dans sa vie bomoi. L'être et le mouvement. Kolinga na bomoi. Il fait les grandes choses dans nos vies. Azo sala makamba mine na bomoi na biso. Il combat tous nos combats. Il livre tous nos combats, bien-aimés. Même des combats que toi tu ne connais pas. À ton insu, il est en train de faire taire l'ennemi. Saoul avait dit à David. Saoul a dit à David. Il dit mon fils David. Soutiens les cœurs de l'Éternel. Serre-moi avec vaillance. Il sert-moi avec vaillance. Soutiens les cœurs de l'Éternel. Pour livrer les cœurs de l'Éternel. C'était la bataille pour que Israël remporte les victoires. Et le véritable David établi par les pères. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été établi pour soutenir les cœurs de nos. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Prie seulement le Seigneur. Et la sorcellerie ira loin de toi. Prie seulement le Seigneur. Tu verras les portes s'ouvrir. Prie seulement le Seigneur. Tu verras les chemins s'ouvrir. Parce que celui qui combat pour nous, c'est un grand vainqueur. Je l'avais dit ici pendant les faveurs de David. Il n'était pas vainqueur seulement lorsqu'on l'a trouvé. Il n'était pas seulement un héros lorsqu'on l'a trouvé. Il était héros avant même qu'on puisse le trouver. Il avait un palmarès qui était lourd. Ses actions d'avance étaient des actions merveilleuses. J'ai dit ses actions, Misala Nezaki, celui qui avait délivré Israël, celui qui lui donnait les victoires, il faisait des grandes choses. Et c'est celui-là qu'on a trouvé. Quand j'en pleurais, on a déposé la question parce qu'on a posé la question. Qui est-il d'ouvrir les livres après les autres? Il ne dit personne. Que ça soit dans les ciels, sur la terre, que ça soit dans les séjours des morts, personne n'était capable. Azalaki na makoki. Les gens pleuraient. Les pleurs de tous les jours. Les pleurs de tous les jours. Pour que cela cesse. On lui a montré. On dit, regarde les lions de la tribu de Judas. Il a vaincu. Lui peut ouvrir les livres et la rompre. Je te dis que les livres étaient entre les mains de Dieu. Mais lui, il était digne. Il avait vaincu. Il était capable de prendre les livres entre les mains de Dieu. Et de l'ouvrir afin de nous donner le salut. S'il était capable de faire cela, il était capable de faire cela. Combien plus forte raison ta vie entre les mains de Dieu.
de sorciers. Oh, Niboni, Azala Makoki, Apollo, la Moya, la Moya, la Moya, la Moya, Dieu. Pour personne ne s'était trouvé dans les ciels pour les faire. À combien plus forte raison ne fera-t-il pas cela ici sur la terre? Il est puissant, frère. Et personne ne peut lui être comparable. Jésus-Christ que je vous prêche. Jésus-Christ, c'est le Dieu redoutable, frère. Personne ne peut le dépasser. Personne ne peut Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé
disciples à travailler, à chasser les démons. Ils ont délivré les gens. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit du Seigneur, les esprits nous sont tombés. Il dit oui, je voyais Satan tomber du ciel. C'est la même, il a perdu la possession des vies des gens. Jusqu'aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, c'est un mystère. Et quelque chose, je te dis que tu vas tomber comme un éclair. Tu vas tomber comme un éclair. Et ta folie sera manifeste à tout le monde. Jésus-Christ est puissant d'âge en âge. Et c'est pourquoi je te dis aussi, n'aie pas peur. Malgré ta faiblesse, malgré tout ce que tu peux écouter des hommes, même des complots, Jésus-Christ est puissant. Il sait te délivrer. Il sait frapper les ennemis d'avec nous. Il est le Dieu grand. Personne ne fait les défis avec lui. Quand il dit quelque chose, ce qui il l'accomplit certainement. Avant il pose la question. Avant lui il pose la question. J'agirai. Qui s'y opposera? Si lui veut que tu prospères, ce qui s'y opposera? Je cherche la personne qui peut s'opposer. Et je te dis, mais dans si toi tu t'opposes, c'est seulement pour que sa gloire éclate. Ce n'est pas parce que toi tu es puissant plus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prospérer. Nous allons lire nos textes. Dans Josué chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 21. On va nous aider avec la lecture. Josué chapitre 2, verset 15. Amen. Elle fit descendre avec une corde par la fenêtre. A quitté Bango Nasinga Nanzela Liminisa. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne. Mais père, que ce qui vous poursuit ne vous rencontre. Cachez-vous là pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la soie. Oyo ya montagne makasi ya boule, tiens yango na na liminisa na yo. Par laquelle tu nous as fait descendre. Nanzela ya liminisa oyo yo kitisi biso. Et recueille auprès de toi. Dans la maison, ton père, tata na yo, ta mère, maman na yo, tes frères, bande konom, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de la maison, allez dehors. Son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête.
si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du servant que tu nous as fait faire. Ah, ce qui ont planté biso sango, tokozala koloba nanda kona lolenge te, ce qui m'a promis et ta biso te po yo planté biso sango. Elle répondit: Ayanoli, qu'il en soit selon vos paroles. Ezala kolandisa maloba na bino. Elle prit ainsi congé d'eux. Ah, pepi bango balakani. Et ils s'en allèrent. Et elle attacha les cordons de cramoisi à la fenêtre. Amen. Amen. Zambé apambola litani. Amen. Zambé apambola pebo kina yo. Amen. Nous sommes dans notre enseignement. Dans la katia lité la biso. La promesse d'entrer dans les repos subsiste encore. Je crois que nous tendons vers la fin déjà. Par la grâce de Dieu. Et nous ne disons pas que nous mettons un point. Pour tout. Non, pour dire que c'est. On a prêché comme ça et puis c'est fini. Non. Non, c'est une virgule. Les amants pas virgule. Parce que l'enseignement s'enrichit du jour au jour. Il y a des prédicateurs qui viendront prêcher encore ces thèmes plus que nous. Amen. Amen. Parce que la révélation aussi est progressive. Mais néanmoins nous prêchons la part que le Seigneur nous a donnée. Et nous voulons vraiment la prêcher avec beaucoup de soins. Parce que c'est dans ces choses qu'il y a la vie éternelle. Nous cessons de répéter que dans ces choses qu'il y a la vie éternelle. Je vous exhorterai seulement d'aimer l'enseignement. Il y a beaucoup d'églises qui n'aiment pas l'enseignement. Alors que le salut, c'est dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons des gens qu'on a consacrés comme des prophètes. On les a consacrés ministres prophètes. Consacré des docteurs, mais qui aiment beaucoup des thèmes évangéliques. Des thèmes évangéliques. Et beaucoup plus dans l'église de Dieu. Ça, c'est déjà un défaut. Quand les gens sont déjà acquis au Seigneur, ceux qui battent déjà par soi et pas une encore, ils sont déjà venus à l'église. Ils commencent à demeurer avec nous. Ils font prendre les soucis d'enseigner ces gens-là. Il faut qu'on soit. Afin que leurs pieds soient affermis dans la marche. Pourquoi nous vous prêchons la parole. Comment en forme d'enseignement. Dans toutes vraiment dans toutes ces couleurs. Afin que vous soyez fondés dans la parole. Et c'est la lèvre du ministère. Parce que celui qui entrera au ciel, et c'est celui qui sera spirituel. Et c'est celui qui sera grand. Et la maturité dans l'enseignement. Et c'est celui-là qu'on va donner l'héritage. Mais s'il ne devient pas mature dans l'enseignement, il n'entrera pas non plus au ciel. La Tsulamite. Voici la Tsulamite. Elle était en train de chanter. Il dit, nous avons une petite sœur avec nous. Nous avons une petite sœur qui n'a pas de mamelles. À que ferons-nous lorsqu'on viendra la chercher? La chercher. Na Libala.
Amen. Amen. Il dit, nous avons une petite sœur. Mais elle n'a pas de mamelle. Que ferons-nous? Lorsqu'on viendra la chercher. Amen. 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 Donc c'est lui. Qui a compétit. Oui, il a compétit. Il n'a pas droit au mariage. Il n'a pas droit aux noces de l'agneau. Parce qu'on dit, aussi longtemps que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et puis on les met sous la tutelle des administrateurs. Parce qu'il est encore petit, on ne peut pas lui donner les pétages. C'est alors quand il deviendra grand, on va lui donner son héritage. Parce qu'on verra qu'il est devenu mature. Maintenant qu'il sera petit, il n'aura pas le discernement de la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Cet homme-là ne différera en rien d'un esclave. C'est pourquoi l'enseignement, c'est vraiment la marque des assemblées des saints. Si notre église peut négliger l'enseignement, pas chez nous, mais n'abissoté. Chez nous, c'est l'enseignement. N'abissoté, d'abord, tu dois grandir. C'est la chose qui peut te garder dans la foi. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est l'enseignement. Vous savez, il y a des gens qui pensaient que le chemin de Dieu, c'est la chaleur intérieure qu'ils ressentaient. Ils pensaient. Que le chemin de Dieu, c'est la simple chaleur là qu'il ressentait à l'intérieur. Ils ont chanté pour Dieu. Ils ont été des grands chants. Mais aujourd'hui, si tu les regardes, ils sont même avec les gens d'ailleurs. Ils aiment la gloire comme les gens d'ailleurs. Les pasteurs, ils sont devenus les présidents des équipes de football. Des chants qui chantaient pour Dieu. Ils sont mélangés avec les chants qui chantent pour le monde. Le problème, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est une clôture. Regarde les gens. C'est pourquoi Jésus parlait des D'abord, l'enseignement dans l'église. Jésus savait cela. Il avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Après le baptême, c'est l'enseignement. Tu vas aimer l'enseignement. Nous sommes l'église de l'enseignement. Nous ne sommes pas l'église où beaucoup chanter. Les gens chantent beaucoup. Quand c'est plus prêché, 25 minutes. Non, nous donnons vraiment la part du lion à l'enseignement. Parce que si tu comprends bien la parole, tu vas bien prier. Si tu comprends bien la parole, tu vas bien servir mes seigneurs. C'est pourquoi nous privilégions l'enseignement dans l'assemblée des saints. Et c'est l'enseignement qui est très combattu. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Notre prédicateur qui vient.
vient de mourir. Amen. Et l'autre prédicateur qui vient de mourir. Il va mourir avec ses enseignements prophétiques ou comment? Parce que depuis qu'il est mort, je vois pas les gens en train d'enseigner la prophétie. Il est mort avec ses enseignements. Je viens de nous, on va voir les gens. Marchons seulement, on va voir les gens. Marchons seulement, nous allons voir les gens. Parce que dans l'église de Dieu, c'est d'abord la parole. Tu dois être positionné dans la prophétie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voyez ma malade, positionner ce qui se passe aujourd'hui. Voyez ma malade, tu connais bien l'enlèvement. Voyez Si tu comprends pas ces choses aujourd'hui, ce qui au sosso la montée de l'eau, le Seigneur te fera grâce de les comprendre demain. Si tu ne les comprends pas demain, un jour tu les comprendras. Parce que ces choses te sont destinées. Jacques disait, Jacques a dit qu'on le va recevez avec joie la parole de Dieu qui a été plantée en vous. Il m'a zappé, oh, il l'a na makati na bino. La parole de Dieu. Il m'a zappé. Il est cru que par celui en qui elle est plantée. Et il m'a zappé la moto kati na yeba lona ya mbo. C'est la parole que je prêche. Ce qui le bon azoté là. Tu ne croiras jamais à cette parole pour demeurer. Mais cette parole a été déjà plantée en toi. Alors tu vas la recevoir avec joie. La parole ne va pas te lasser. Parce que tu as été prédestiné à recevoir cette parole. C'est ça mon exhortation ce soir pour vous. Gardez l'enseignement. Parce que le temps vraiment est proche. Le temps est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne crois pas ce que les gens disent. Il faut 50 ans. Je leur pose toujours la question. C'est Jésus-Christ qui t'avait dit ça. Yes, c'est le Saint-Esprit qui t'était à Paris la nuit et t'a dit que nous avons moi, j'ai l'enseignement. Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi nous devons laver notre robe par l'enseignement? Pourquoi aimer la parole? C'est la parole qui va nous purifier. C'est la parole qui va péché qui te dérange. C'est la seule solution. Et ça la bombe de Galade. Qui s'y a Galade? La bombe de Galade. Qui s'y a Galade? C'est le dernier remède. Et après, ils allaient qui s'y a souka? De la maladie. Y a malade. Si ça ne te guérit pas, tu vas en enfer. C'est le dernier remède. Et là, qui s'y a souka, mon ami? La parole. Il est bas. Les bombes de Galade. Et là, qui s'y a Galade? On les trouve dans les pays des premiers. Si ça ne te guérit pas, tu es dans ce que tu as compté dans Babylone et la grande. Si ça ne te guérit pas, la parole, tu es compté dans Babylone et la grande. Il faut aimer la parole. Quand nous prêchons la parole comme ça, prends en cœur d'aller encore réécouter la parole. Tu as le téléphone, enregistre la parole. Écris ce que nous disons. Comme le pasteur l'avait dit. Si tu as des préoccupations, pose-nous des questions. Parce que l'enseignement, c'est ce qui cache les saluts. Quand Dieu dit que les saluts se trouvent dans l'enseignement, cela veut dire que tu dois être farouche. Farouche, Kanda. Quand il s'agit de l'enseignement, tu n'as pas besoin de blague.
Quand tu viens au culte aujourd'hui, par exemple le 27, tu vas venir à la fin du
mois d'avril. Attention, on va te ravir la couronne. Parce que tu as déjà la couronne. Le Seigneur reconnaît qu'il y a des ravisseurs de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte. Il faut aimer l'enseignement. L'âme la prostituée. Moi, c'est elle avait gardé la parole. C'était le fil cramoisi à la fin. Et elle est restée. C'est le malheur.
Vous voyez, vous avez là. J'ai les plans. Quand on arrive novembre, décembre, janvier, il y a l'hiver. Et ça, hiver. Mais Dieu, quand il a créé l'hiver, nous avons créé l'hiver. On a dit quelle explication je vais donner à l'hiver. On a dit, dis-moi la paix ça dans l'hiver. Chez Dieu. L'hiver, c'est comme les jours du malheur. L'hiver, ça a été Nicolas passé. Mais toi, yo, tu as besoin d'aller en Europe. On a la position qui est en Europe. On te prend la photo dans des neiges. Bah, photo, c'est la neige. C'est pas mauvais. Et ça m'a bêté. Mais la neige dans la Bible. On est dans la Bible. Explique aussi. Et dans les accapés, les jours du malheur. Parce que Dieu. Pour tes amis. Il avait mis à Jean. Ah, il a dit. Yogo. Il dit Jean, es-tu déjà monté là-bas au ciel pour voir les glaces, les neiges que j'ai réservées pour les jours du malheur. Les jours du malheur. Il dit au jour du malheur, je vais ouvrir les écluses de Dieu. Quand on ouvre les écluses de Dieu, ce n'est pas seulement pour la bénédiction. C'est peut-être aussi pour les jours du malheur. Mais la maison de la femme vertueuse est couverte de cramoisies. C'est une maison justifiée. C'est ça la parole de Dieu. L'église de Jésus-Christ. Couverte par la grâce de Dieu. La maison de les enfants d'Israël en Égypte qui ont le sang devant les pas. Quand je vois ces maisons, il ne frappe pas. Il passe outre. Et c'est par la foi. Parce qu'on a dit, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est pourquoi je t'ai dit toi aussi. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé au jugement. Tu n'es pas appelé à la perdition. Parce que le Seigneur t'a appelé dans la maison. On dit que tu n'es plus quelqu'un du dehors. Mais tu es un saint homme de la maison de Dieu. Tu es le frère des rares. Tu es la sœur des rares. Tu es participant des membres de cette maison. Néanmoins, si tu gardes les paroles des espions, que le Seigneur Jésus-Christ soit parmi nous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit parmi nous. Merci de Seigneur pour la prédication de ce soir. Zambela ma santé, Seigneur. Zambela elonga au Jésus-Christ. Zambela ma santé au Jésus. Merci pour la parole, Dieu Jésus. Merci pour la parole, Jésus-Christ.